Salut, je m'appelle Elena et ceci est mon histoire de comment j'ai dépassé tout l'harcèlement par rapport à mon corps très maigre et comment je suis devenue une inspiration pour les autres pour faire face aux harceleurs dans leur vie. Mais avant que je ne continue, aimez et abonnez-vous. Papa dit que j'étais très pressée de venir au monde parce que je suis née deux mois avant la date prévue d'accouchement de maman. Dans mes photos en tant que nouvelle-née, c'est comme si maman serrait un maigre petit rat. C'est tout ce que j'ai de maman parce qu'elle est partie rapidement après ça. En grandissant, c'était toujours papa qui m'emmenait au médecin, disait au chef de me préparer de bons dîners, et me pesait chaque jour. Mais peu importe ce que je mangeais ou combien je mangeais, j'étais toujours trop maigre. Je ne savais pas ce que c'était le problème, je me sentais parfaitement bien. Une fois quand j'avais 4 ans, je venais de manger un énorme repas chez McDo, quand papa et moi sommes passés devant une pâtisserie, et je me suis arrêtée. Je veux un cupcake, papa. Tu n'as pas besoin de plus de nourriture, allez. Alors que papa essayait de me tirer, une femme a soudainement intervenu. Quel genre de terrible père prive son enfant de nourriture Regarde-la, c'est un bâton Je vais appeler les services sociaux. Peu importe combien de fois papa a dit que j'avais mangé, elle n'écoutait pas. Bon sang, je vais lui acheter le cupcake Papa était tellement énervé contre elle sur le chemin du retour, mais j'ai silencieusement prié pour cette femme en léchant la crème. Quand j'ai intégré l'école à 6 ans, j'ai arrêté de porter des shorts et des jupes parce que tout le monde m'appelait jambe de sauterelle. Et ça m'a vraiment fait mal quand mon premier coup de cœur a dit que je ressemblais à son lézard. À la maternelle, quelques enfants plus âgés se sont avancés vers moi un jour et sont prêts à vie, l'un d'entre eux m'a soulevé. Oh mon dieu, elle est tellement légère, je peux la tenir avec une seule main. Et toi, attrape-la. Et avant que je ne m'en rende compte, on me faisait passer comme un ballon. Déposez-moi Heureusement, l'une des profs est sortie à temps et les a tous mis en détention. Mais malheureusement, les idiots ne changent pas du jour au lendemain. Ils me disaient toujours des choses méchantes. Je me suis simplement habituée à tout ça, et je me suis concentrée sur les études. J'aimais vraiment apprendre de nouvelles choses. Et chaque soir à la maison, je faisais comme si j'étais la prof, et je forçais papa et notre chef à être mes élèves. Je pense qu'ils aimaient vraiment mes leçons. Mais en CE2, toute ma vie a été soudainement chamboulée. Le soir de Noël, papa m'a dit qu'il avait pour moi le cadeau le plus beau du monde. Mon propre labo de science Non, mieux que ça, j'ai pour toi une nouvelle maman. C'est là qu'une belle femme est entrée et qu'elle a jeté ses bras autour de moi. Je me suis presque évanouie de choc. Qui a dit que je voulais une maman Ma belle-mère était une vraie plaie. Elle était la personne la plus assoiffée d'attention que j'ai jamais vue. Pour commencer, elle s'est invitée pour nos leçons du soir. Quand je me tournais, elle me balançait des boules de papier. Je la surprenais en train de passer des messages à papa, et ils rigolaient tous les deux comme des idiots. Ou bien ils lui faisaient un massage des pieds, au beau milieu de la classe. Une fois, papa et moi avions prévu un voyage à Disneyland pendant des mois. Et au moment où on allait partir, elle a annoncé qu'elle avait des terribles douleurs menstruelles. Ça fait tellement mal, comme si je perdais les os. J'ai besoin de toi, bébé. Bien sûr, papa a annulé tous nos plans. En un clin d'œil, quand je lui ai emmené sa soupe deux heures plus tard, j'ai trouvé la sorcière en train de jouer au jeu vidéo. J'ai bien léché la cuillère avant de la remettre. Lors de mon neuvième anniversaire, elle m'a offert un portrait géant d'elle-même. Mais lors de mon dixième anniversaire, elle est allée trop loin. Exactement la veille, elle a surpris mon père avec des vacances aux Bahamas. Quand papa a mentionné qu'ils allaient rater mon anniversaire, elle a fait une scène digne d'un Oscar. Je ne peux pas croire que j'ai oublié, je ne me pardonnerai jamais. Mais j'organiserai la meilleure fête au monde pour notre fille. Quand on rentrera, bébé. Papa lui a juste débilement souri, il était aveuglé par l'amour. Je me suis ruée vers ma chambre et j'ai claqué la porte. Quelques minutes après, il est venu, il a toqué quelques fois, mais j'étais tellement énervée contre lui que j'ai refusé de sortir et de dire au revoir. Quelques jours après, j'ai souhaité l'avoir vraiment fait. Ma belle-mère s'est ruée dans ma chambre un matin et elle pleurait. Qu'est-ce qu'il y a où, où est mon papa Papa a eu un accident. J'étais complètement dévastée. Mais tout ce à quoi pensait ma belle-mère, c'était qu'elle était la femme la plus malchanceuse de la planète. Être veuve au sommet de ma beauté et être coincée avec une enfance est la pire chose. Et ce n'est même pas la mienne. J'ai couru vers le parc à l'autre bout de la rue et je me suis assis sur un banc, essayant d'arrêter mes larmes. C'est là que quelqu'un est venu et s'est assis à côté de moi. Il est reconnu, c'est le fils de notre nouveau voisin. Je suis Robert. Je sais ce qui est arrivé à ton père. Je peux m'asseoir avec toi un moment J'ai levé les yeux vers son doux visage et j'ai acquiescé. Il s'est assis en silence en me tenant la main. Je me suis senti mieux. Et juste comme ça, je me suis fait un ami. Dieu merci pour ça parce que ma belle-mère était insupportable. Papa, on a fait ma tutrice légale. J'étais donc coincée avec elle jusqu'à mes 18 ans. Et elle ne pouvait pas arrêter de me rappeler combien j'étais un boulet, alors qu'elle se goinfrait avec des aliments les plus exquis toute la journée. Ton école est trop chère. Qui es-tu La duchesse de l'Amérique va dans une école publique. Ce n'est pas à toi de choisir. Papa a dit que j'irai là et c'est comme ça. J'ai intégré des clubs à l'école pour m'occuper. Et le soir, j'allais chez Robert à chaque fois que je le pouvais. Je ne supportais pas d'être à la maison quand ma belle-mère ramenait un nouvel homme chaque semaine. Des fois, elle me forçait même à aller dîner avec les hommes qu'elle essayait de piéger. Une fois, j'étais à la maison d'un chic avec elle pour une grande fête dînatoire et j'étais occupée à me goinfrer de caviar et je me suis presque cassé la dent à cause de quelque chose. Quand je l'ai sorti de ma bouche, je l'ai fixée, choquée. Ça ressemblait à un diamant. J'en ai remarqué d'autres dans mon plat. J'ai regardé autour de moi et il semblait que personne d'autre ne mangeait de diamants. Je les ai sortis, mais c'est là que j'ai vu ma belle-mère qui me regardait. Je ne pouvais les cacher nulle part. J'ai donc fait le plus évident. Je les ai mis dans ma bouche. Je ne voulais pas les avaler, mais c'est arrivé. Quand je suis rentrée, je me suis fait vomir et j'ai donné naissance à six bébés diamants. Waouh! Je les ai vite cachés quand ma belle-mère s'est pointée derrière moi. Tu viens de vomir là C'est pour ça que tu es toujours si maigre Pas que je veux te ressembler ou un truc comme ça. Oh non! Je coupe simplement une amande en trois morceaux, et c'est ce que je mange pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, la majorité du temps. C'est comme ça que je reste fine. Elle était en fait assez débile pour me croire, et elle a commencé à suivre le régime d'amande. Robert et moi nous nous sommes tordus de rire alors que je lui racontais l'histoire en mangeant des cheeseburgers. Je faisais tellement confiance à Robert, je lui ai donc même montré les diamants que j'ai eus au dîner du chic. Waouh, c'est fou. Tu dois les vendre, ils doivent coûter une fortune. On est allé à une bijouterie et j'ai eu du liquide pour les six diamants. Je me suis acheté un nouvel ordinateur, un téléphone, et plus important, des vêtements qui m'allaient vraiment bien. Et j'ai mis le reste de l'argent en sécurité. Je savais que j'en aurais besoin un jour si je voulais quitter la vie que j'avais avec ma belle-mère pour deux bancs. Quand je suis allé en cours le lendemain, j'ai enlevé ma veste avec hésitation. Je pouvais voir les mâchoires de mes camarades se décrocher. Quelques-uns m'ont même dit que j'étais jolie. Ceux qui ont passé des années à m'appeler cure-dents et squelette étaient très choqués et pas très contents. Deux garçons m'ont même demandé de sortir avec eux ce même jour, mais j'ai poliment dit non. Vous voyez, je commençais à avoir des sentiments pour Robert depuis quelques mois. Je voulais lui demander de sortir avec moi, mais le moment ne semblait jamais être le bon. J'ai décidé que j'allais le faire le jour de la Saint-Valentin. J'allais foncer et lui demander. Je me suis avancée vers lui dans le couloir, le cœur qui battait la chamade. Il s'est tourné vers moi et m'a adressé son adorable sourire classique. Et puis, ces terribles mots sont sortis de ma bouche. Veux-tu être mon Valentin, Robert J'ai instantanément souhaité pouvoir les retirer parce que c'était comme s'il s'est fait heurter par un camion. Il s'est tourné très rouge et ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Je, je suis vraiment désolée, Elena. Je, je ne peux pas. Et après ça, il s'est envolé de la scène. Quoi J'étais toujours sous le choc quand j'ai entendu les méchantes filles de ma classe jacasser derrière moi. Porter quelques beaux vêtements ne te rendra pas moins laide. Les mecs aiment les vraies femmes et les vraies femmes ont des formes. Soudain, je me suis vraiment énervée. Eh bien, je suis une vraie personne, avec des vrais sentiments. Vous avez déjà pensé à ça Non, généralement, je ne pense pas beaucoup à toi. Et ne sois pas hypersensible, tu n'es sûrement pas belle. Mais au moins, tu peux manger tout ce que tu veux, sans t'inquiéter. Considère-toi chanceuse. Chanceuse, je ne peux jamais trouver des vêtements qui me vendent, et la majorité de ma vie j'ai essayé de cacher mon corps, parce qu'on m'a traité de terribles noms tellement de fois. Je me serais considérée chanceuse si on me laissait tranquille. On devrait laisser tout le monde être heureux avec eux-mêmes, peu importe leur forme et leur taille. Personne n'est défini par son poids. Soudain, tous les enfants autour de moi ont commencé à applaudir. Vous entendez Vous entendez Personne n'est défini par son poids. Laissez-les être heureux. J'étais tellement choquée que mes camarades me soutiennent vraiment. En fait, il y avait beaucoup d'enfants de toutes les classes qui venaient vers moi et me disaient qu'ils ont toujours eu honte de leur poids. Et ils pensaient que j'étais vraiment courageuse pour avoir tenu tête à cette tyran. Plus tard, la même nuit, j'ai entendu un doux tapotement sur ma fenêtre. J'ai ouvert pour trouver Robert à l'extérieur. Va-t'en, Robert. Je suppose que je ne suis pas assez belle pour quelqu'un comme toi. Mais tu sais quoi? Je n'en ai rien à faire. Je m'aime comme je suis. Non, Elena, tu ne comprends pas. Je pense que tu es belle. C'est juste que je suis gay. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Robert et moi sommes restés de très bons amis, bien sûr. J'ai travaillé dur durant les deux années qui ont suivi et j'ai été acceptée dans toutes les facs auxquelles j'ai postulé. Mais rapidement, après ces magnifiques nouvelles, je suis rentré pour trouver de terribles nouvelles à la maison. Une après-midi, je suis rentré pour trouver ma belle-mère en train de gémir très fort et les gens grouillaient partout chez nous, en prenant nos affaires. Qu'est-ce qui se passe, Bansan Il s'est avéré qu'elle avait investi tout l'argent de papa et mon héritage dans la manigance suspicieuse de son dernier copain. Il a simplement disparu avec l'argent de tellement de personnes et il l'a accusée de fraude. Elle était chanceuse de ne pas aller en prison. Mais elle a tout perdu, y compris la maison dans laquelle j'ai grandi. Quand j'ai entendu ça, mes oreilles ont commencé à sonner. Tu, tu, tu as perdu la maison que papa a laissée pour moi J'en ai rien à faire de ta stupide maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai jamais été aussi énervée de ma vie. Dégage, tu as ruiné ma vie depuis le jour où je t'ai rencontré. Je ne veux plus jamais te revoir. Et où vas-tu vivre sans mon aide? Je vais racheter la maison de papa. Hum, comme si tu avais l'argent. Oh, tu vas être vraiment surprise. Avec l'argent que j'ai eu après avoir vendu les diamants, j'ai donné directement à account pour la maison. Et j'en ai finalement fait mon foyer, à moi. Ma belle-mère m'a supplié de la laisser vivre avec moi, mais je ne l'ai pas laissé m'approcher. Je me suis concentrée sur mes études et je me suis assurée de pouvoir m'entretenir assez longtemps jusqu'à avoir un diplôme en enseignement. Ma belle-mère a éventuellement épousé un milliardaire de 70 ans et elle s'est vantée sur Instagram avec la légende J'ai finalement trouvé le vrai amour. La seule chose qu'elle aimait, c'était l'argent. Mais moi, j'ai trouvé l'amour de ma vie, à la fac. Et on s'est rapidement mariés peu de temps après la remise des diplômes. Et Robert était mon témoin et mademoiselle d'honneur. Quelques années après, je suis la principale de l'école maintenant. Et même si tout le monde pensait que j'étais trop maigre pour avoir des enfants, j'ai donné naissance à deux bébés en bonne santé, un garçon et une fille. J'ai hâte qu'ils commencent l'école bientôt.